Donc ce que je peux pour vous montrer, c'est le processus un peu de fabrication de tout ça. Je pars essentiellement du dessin. Par exemple, là, vous avez un dessin. Et puis, ce dessin, il est à un moment donné, quand il est à cet état-là, c'est des dessins qui sont scannés. Et donc là, ça, il y a une digestion qui s'opère, c'est-à-dire que ils viennent sur ordinateur et de l'ordinateur, je les mets dans un petit coin et puis je commence à voir comment peut évoluer ce dessin et ce dessin peut devenir éventuellement une toile. Je commence par un trait au fusain qui petit à petit se transforme, le trait se précise, et puis à partir de là, effectivement, la couleur s'inscrit sur la toile, et puis je finis par ce graphisme au pinceau, souvent encre de Chine ou acrylique, et donc qui donne effectivement à la fois l'unité de la toile. Et à la fois sa densité, donc je dirais même sa surdensité. Si je prends la toute dernière que je viens de faire, c'est à la fois, j'ai appelé ça au royaume des aveugles, les casseroles sont reines. Donc là, c'est un amalgame, y compris d'un personnage que l'on peut qualifier peut-être de douteux. Face aux interrogations et face aux désapprobations d'un certain nombre de gens, y compris le petit curé diablotin, on ne sait pas si c'est un diablotin ou un curé, donc la morale en fait. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la multitude d'entrées dans cette toile. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme un film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des entrées, il y a plein d'entrées possibles, et puis il y a des gens qui sortent. C'est du théâtre, quoi, finalement. C'est un théâtre de la vie, et avec effectivement la déformation, etc., possible. C'est ça qui est marrant. Je me sens toujours un peu comme une image d'Épinal. C'est toujours d'une part parce que l'imagerie comme ça, dit tête d'Épinal, c'est à la fois des graphismes assez compliqués, assez bien dessinés, assez bien foutus. Et donc rentrer dans cette complexité, et c'est aussi rentrer dans la complexité de la vie. Voilà, il y a des interrogations et j'aime bien le point de suspension. Par exemple, comme celle-là, je me suis amusé à travailler sur l'ambiguïté sexuelle des personnages. Donc, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ça s'appelle la bagajule, sauf qu'on ne sait pas si l'homme est un homme, un travesti ou une femme. Bon, là, je joue avec cette espèce d'ambiguïté. Et là encore, on est dans des sujets d'actualité. On est dans des choses qui sont, qui sont les fondements de notre société. Une autre de mes activités, c'est-à-dire de faire des installations. Ce projet d'installation s'appelle Mare Nostrum, Méditerranée. Et j'ai essentiellement travaillé, alors bien sûr, là on est à l'état natif. C'est un projet qui concerne la traversée de la Méditerranée par les immigrants. Et j'ai voulu évoquer ces milliers de disparus en mer d'une manière un peu, enfin ma manière à moi, c'est-à-dire qu'il y a un amoureux des bateaux, du large et de la mer, et avec des bâtiments, des barques qui chargées de ces émigrés. Et qui effectivement, avec des choses, par exemple comme celle-là, je les ai finies ce matin. Chaque boule représente peut-être un personnage et il y a un numéro. Alors ce numéro, il est à la fois issu de la concentration, enfin des camps. C'est-à-dire que
où on numérotait les gens, un peu ou comme les animaux, un peu avant l'abattage. Donc chaque boule représente effectivement un corps quelque part disparu. J'ai voulu garder juste un regard comme ça, qui était en train soit de s'évanouir, soit de supplier. Puis il y a d'autres boules qui, elles, sont marquées au fer rouge. Donc là encore ce fer qui est la marque à la fois de la diabolisation, qui est la marque des prisonniers. Ma seule préoccupation en tant que plasticien, en tant qu'artiste, c'est effectivement, je dirais passer des messages, c'est un bien grand mot, mais au moins que la patte humaine soit le fondement de mon travail. Et donc l'interaction de ces personnages qui se détestent, qui se sourient, qui s'aiment, etc., c'est le ferment même de nos vies. Un parcours d'abord de sculpteur, de graveur et de sculpteur, dans les années 80, avec des, par exemple, ça c'est des sculptures qui en bronze et en bois, qui datent des années 80. Et puis après, j'ai basculé vers la peinture, avec des choses qui, par exemple, comme celle-là, alors qui n'ont rien à voir effectivement dans la forme, mais qui était un autre aspect aussi de mon travail, qui est de faire je dirais, de la bande dessinée. Je ne sais pas si c'est vraiment de la bande dessinée, mais enfin, c'est du dessin. Je fais une bande dessinée quasiment tous les ans, depuis maintenant 5, 6 ans, 7 ans. Donc voilà, j'empile ces livres. Bon, avec effectivement toujours le dernier qui s'appelle Une petite planète bien finie. Là, reprend aussi des thèmes très d'actualité sur la finalité de la planète et sur effectivement son devenir pour le moins certain. La plupart des gens qui achètent des toiles, c'est souvent on a besoin de meubler quelque part, on a besoin d'un décor, etc. Et la neutralité s'impose quelque part, alors que là, il n'y a pas de neutralité. Et donc, avoir cette femme à poil avec Balance ton porc, c'est vrai que ça peut être dérangeant.